Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange 88 et je vous retrouve sur l'épisode 24 de Final Fantasy Dimension 2. Et donc on se retrouve dans cet épisode-ci à faire toutes les subquests en attente. Donc à savoir qu'il y en a deux pour Moro, Aemo et Vreg. Et une concernant Journey. Donc ça risque de prendre quand même du temps de tout faire, mais il y a moyen de quand même poursuivre un petit peu l'histoire. Le peu de vie qui reste à la blague. Vas-y, Moro, vas-y. Oui, Moro, ouais, bravo, Moro. Ouais, bon, l'Allemagne va pas faire grand, va pas faire long feu. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de gain. Le gain, il est à la fin. Allez, pour le petit boost MP de Moro. L'ancienne ère, le palace de Mycidia. Oh, joli timing. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Moi? Oui, nous avons besoin de l'aide d'un outsider. Oh bien, je suppose qu'il fera l'affaire. D'accord, pas de souci. Dites-moi qu'est-ce que je dois savoir. Dites-moi ce que je dois savoir. Ok, merci beaucoup. Nous souhaitons que tu amènes cette boîte près de la forêt. À la mission. How about here? Comment ça se passe ici? Ah, il a pris. Hey, rends-moi ce que tu as pris. Oh, il s'est ouvert. Dans la lettre, dans la boîte, des lettres. Qu'est-ce que c'est? Désolé à, désolé de vous avoir, dessiné dessus pendant votre sommeil. Vous semblez si joyeux maintenant comme ça. Désolé pour avoir, pour agiter mon pompon. On sait pas que c'était comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est fait, mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est une capsule de temps. C'est votre moyen de confession, d'accord. Nous connaissons depuis longtemps, mais nous n'avons pas la chance de prendre du temps. Donc nous avons décidé de les mettre dans une capsule du temps et de la laisser. C'est le chemin de... Ah d'accord, oui, c'est le chemin pour dire au revoir, pour embrasser les adieux des regrets. Enfin, c'est pas du tout français, mais je... Enfin, dans ma tête, c'est un peu clair, mais j'arrive pas à le ressortir, quoi. Je vois, mais ça ne serait pas mieux que de juste oublier. Probablement, mais... Mais ça nous rendrait malade. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre aide.
Le mieux est de bouger d'ici. J'ai une faim terrible qui arrive et j'ai besoin de boire. Tiens. Ah oui, un verre pour le pour notre éternel ami. Ok. Un ami de quatre races. Non, une amitié, pardon. Pardon, une amitié, c'est plus. Ouais! Allez. Boost de. Ah ouh, la vitesse et en plus. Donc après, c'est quoi? Ah bah 24, c'est bon, je suis déjà. Je suis déjà dans la bonne fourchette. Bon, je pense que ça doit être pour tous pareil, donc parfait. Ouh, des ennemis. Allez, un auto. Le retour de l'automatisme. Donc du coup 5, 10, eh ouais non, il n'y aura pas de suite d'histoire. Bon, ça fera déjà assez long comme ça. Sinon, le plus long en fait c'est la scène après les combats que le combat lui-même. Allez, la victoire. La victoire, la victoire. Allez. On se retrouve plongé dans le futur, d'accord. Ah, tiens. C'est rare de voir quelqu'un ici. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Oh, vous parliez? Oh, je ne fais pas grand-chose en vérité. J'ai juste retrouvé quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que c'est une lettre? Ouais, une lettre, une très vieille lettre. C'était dans un conteneur de ressources, de robots de la Terre. Bon, ouais, bref. La lettre semble raconter quelque chose. Je suis le seul qui a brisé. Il a brisé les cornes sur le casque de nez et je les ai repris. Ah oui, je les ai remplacés par des bouts de bambou. Désolé à propos de ça. J'ai écrit une lettre d'amour à une jeune elfe. Et signé avec ton nom, mais elle m'a rejeté. Ah oui, mais elle t'a rejeté. Désolé pour l'utilisation de ton nom et de tout le reste. Est-ce que ça vient d'une capsule de temps? Je ne comprends pas réellement cette lettre. Mais il apparaît qu'il y a différentes races qui ont vécu ensemble en paix. Je me demande si cette lettre est vraiment réelle. J'en avais entendu dire que toutes les races non humaines étaient éteintes. Et peut-être nous sommes les suivants. Nous ne laisserons pas arriver. Nous ne laisserons pas s'arriver. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que je ne veux pas croire dans un futur qui ne puisse être changé. Peut-être que tu ne pourras pas changer grand-chose une fois que ce soit passé, mais dans le futur, nous ferons tout pour pouvoir changer les choses. Je vois. Je te donnerai cette lettre. Ça n'est rien pour moi. Quelqu'un comme toi peut l'avoir. Il y aura des trucs à faire avec des lettres à tous les coups. Oh là là, ça va être une horreur. Ouais, même de vitesse et une nouvelle.
Ouh, 100 points de vie. On va le prendre, ça. Ça, c'est clairement pour elle. Tout, 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 tout. Bon. On est parti, on est parti. On fait tout. Ça cogne fort quand même. Oh. Bon, par contre, Moro, il a l'air d'avoir une bonne défense. Contrairement à d'autres. Il y a du beau monde. Ah, c'est bien, il pourra pas porter d'attaque cette fois-ci à Allemagne. Ah, le futur également pour cette demoiselle. Est-ce que tu connais ça? C'est une jolie couleur. Est-ce que c'est un équipement? Ouais, ça j'en ai parlé à Chronos tout à l'heure. Oui. Oui, c'est ça. Je lui ai dit que je souhaitais en apprendre davantage sur mon futur. Elle m'a donc dit qu'elle me souhaitait me donner quelque chose de ce temps-là. Et tu as choisi cet équipement? Je n'en sais pas plus à propos de ça, mais si c'est ton choix, j'approuve. Vraiment, merci beaucoup. Un équipement? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Je l'ai trouvé quand j'étais enfant. Ça provient d'un robot de sécurité qui n'a pas vécu longtemps. Ah, qui ne pouvait plus se mouvoir. Le robot avait été abandonné. Je ne saurais pas dire pourquoi dans le temps, mais. Je sens que cet équipement était destiné. Les gens du futur donnent des rôles minimes, ont des rôles minimes et ont fini par ils sont fini ils ont fini quand qu'ils n'ont plus besoin de rien faire. En gros, si j'ai bien compris. Et de plus, je n'ai pas envie de me laisser aller comme ça. C'est même pas un équipement, c'est une pièce comme ça peut être transformée en quelque chose de magnifique. Une pièce de valeur. Ouais, je pense que c'est plus ça, une pièce d'ailleurs. Comment la crise de Missidia que j'ai causée a pu impacter le futur est quelque chose de compliqué. Je me suis senti triste quand tu m'as raconté pour la première fois venir du futur. Mais maintenant, je vois que tout n'est pas perdu. Tant que les gens qui pensent comme toi. Ah oui, tant qu'il y aura des gens qui pensent comme toi, il y aura toujours un espoir. Oui, je veux croire la même chose. Elle a gagné 100 points de vie. Allez, de la magie.
avec une petite magie supplémentaire. Les gobelins, on va tous leur faire la gobe. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on en a tout plein de sortes de gobelins. Donc, c'est toujours un plus appréciable. Enfin, c'est mauvais, ça, je commence à avoir faim. Allez. Alors, Aemo, Chronos et les fleurs, je crois, si j'ai bien lu. Ah, dans l'espace de Chrono dans le Rift. Besoin de quelque chose? Yeah. Oui, j'ai une requête. Je n'ai plus vu de fleurs depuis des années. Une fleur? Est-ce que tu pourrais m'en rapporter une? Rapporte-moi-en une, rapporte-moi celle que tu penses être la plus belle. Moi? Oui, c'est sûr que vu du monde duquel elle vient, c'est un peu compliqué de. C'est surprenant que Kondo se veuille voir une fleur. Mais c'est une jeune femme, je suppose. Mais est-ce que cette place est bon? Je ne me souviens pas qu'il y ait de jolies fleurs dans ici. Je m'en souviens d'une. Ah, elle a trouvé. Alors. Voilà. Donc cette fleur donc cette fleur est celle dans laquelle tu crois être la plus belle. Oui, ça, oui, elle l'est. Mais elle n'a pas de particularité spécifique. C'est une petite et fragile fleur. C'est la première fleur que j'ai vue, donc elle ressemblait magnifique. J'ai I want to see so many. J'ai vu tellement de fleurs de lovelier, oh punaise, de fleurs de prétendants que celle-ci, mais je suis pas. Mais en les voyant. Mais je voyais rien de plus que des matériaux de recherche, d'accord. Waouh! Ouf! Ouh, le temps de compréhension. Donc, celle a eu elle a eu des prétendants pour vivre une histoire d'amour, sauf qu'en fait, elle voyait des fleurs que comme des matériaux de recherche. C'est quand même triste, quoi. De dire qu'elle pensait tellement à ses recherches que non, les. De vivre un amour avec un homme, non, c'est jamais venu à l'esprit, quoi. C'est triste, quoi, pour la concernant. En y repensant maintenant, je réalise comment les choses communes. Comment j'ai sous. Ah oui, j'ai sous. Comme quoi je n'ai. Ah oui, comme j'ai désapprécié les choses communes chaque jour. Chaque jour est dans, d'accord. Underappreciate? Oui. C'est juste un des nombreux regrets que j'ai. Merci beaucoup pour la fleur. Je prierai pour que tu te sentes aussi belle que tu ne l'es à présent. Ouais, enfin, c'est assez bizarre là, j'avoue. La finalité est assez bizarre de la traduction, mais.
J'ai fait ce que je peux, hein. Allez, Vreg. Un gain de MP encore. Allez, encore les Allemagnes. On y croit. On va encore vaincre des Allemagnes. Bon, faut que je ménage ma gorge parce que sinon je vais pas finir. Oh, des trucs de sécurité. Mais qu'est-ce que ça fout là? Ah, le premier qui va porter une attaque. Accessoirement le dernier potentiellement. Ouais, c'était le dernier aussi. Ah, quoique, non. Ah, je m'avance peut-être un peu trop. Ah, si. Allez, les 20 MP pour Vreg. Ah, d'accord, dans le futur, Nameless Westland. Ah, tiens, un petit robot. Est-ce que cette chose est cassée? Tu penses qu'il bougera si je le tape dedans? Système rebooté. Reboot, je suis le travailleur numéro 18. Wow, il parle! Ah, une erreur est arrivée. Commande perdue. Votre commandement, maître, votre commandement. Essayons de lui donner un ordre, peut-être. Moi? Ok, voyons voir. Danse! Non. Mais il connaît qu'est-ce que c'est danser. Oh non, mais sans déconner. Qu'est-ce que nous avons fait avec ça? C'est tout ce à quoi j'avais pensé, mais donc. Mais regarde, il danse. Il y a sûrement d'autres choses que nous pouvons faire, que nous devons essayer, non? Light things. Comme tester sa force, par exemple, peut-être. Ok, voyons voir. Et attends, je devrais pas dire. Attaque Vreg. Oh non! Oh non, mais. Mon, mais pourquoi? Bébé. Cible. Cible vaincue. Délivré à one shot. Wow, come on! Ah, vas-y, arrête-toi! Oh non, mais comme c'est salaud ça! Non, mais genre! Pauvre robot, il va prendre cher. Et voilà. Et voilà. Est-ce que tu vas bien? Je crois que je suis... je sais pas quoi. Là je sais pas. Je... Oh, l'abus, quoi. Ah, franchement, t'as pas été sympa avec ton copain, hein, Moro. Hein, un vilain. Moi, je dis, il mérite des fessées, là.
Oh là là, mais ça va être tellement n'importe quoi plus tard quand on aura récupéré. Quand on aura le choix entre plein de personnes. Oh, t'as tué personne! Mais qu'est-ce que t'as fait, Moti? Ah, là, c'est vrai qu'il a mal géré. Allez, hop, hop. Allez, on récup son attaque. Ok. Alors, on se retrouve à. Ah d'accord, au château de Vesta. Ah, avec Gordon. Je voudrais vous recruter pour pour des recherches archéologiques. Est-ce que vous voudrez chercher des ruines et me rapporter vos trouvailles? Les vieilles ruines royales. Nous serons très certainement coincés dans des pièges. Mais s'il a besoin de nous, nous serons ravis de t'aider. Pas question. Désolé, mais ne comptez pas sur moi. Donc, Vreg, tu ne souhaites pas nous aider? Et toi, Moro? J'espère que ma requête n'était pas trop présomptueuse. Bien sûr qu'elle est, qu'elle ce qu'elle est. Ah non, bien sûr que je le ferai plutôt. Bien sûr que je le fais, qu'il le fera. C'est ce qu'il dit toujours. Nous allons y aller encore. Le truc, c'est qu'avec ces choses, que ces choses sont, you're safe after... Ah oui, que la voie est plus est libre après que après être tombé une première fois dans le piège. Et boum! Ah, il semblerait que je l'ai fait. Oh, Dieu, j'aurais cru. Moro qui arrive. Bah, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est tout descendu? Oh, c'était proche. Le piège semble convenir à présent. Non, allons dans l'ombre. Et c'était un piège. De nouveau, je trouve que tu as été incroyable et j'ai de nouvelles une dette. J'espère que tout s'est bien passé. Oui, c'était un jeu d'enfant. C'est bon à attendre. Oui, d'accord, ouais, je souhaite transmettre ton héroïsme quand nous retournerons au château, Moro. Ah, tu es revenu? Comment ça s'est passé là-bas? Tu as dit qu'il y avait des pièges, mais il n'a pas eu de tout le long. Oh. Oh, ça n'est pas quelque chose de viable. Bien, let's go. Allons prendre quelques denrées, quelques sucreries. Voilà, tout simplement. Alors que je regarde.
Alors, donc arc chapitre 1, clear interlude, chapitre 6-2, d'accord. Voilà, c'est juste histoire de voir un petit peu jusqu'où ça va, les trucs. Clear Eureka, d'accord, bon, c'est le même principe, ok. Allez, journée! Donc, son épisode 4. Et pareil comme ça, avec chaque nouveau perso, c'est y avoir plein de trucs à récupérer pour les. Donc ils apprennent plein de nouvelles habilités, etc. etc. Bien, une journée! Ah, c'est parce que c'est ta mission que tu passes, c'est ça? Ben, merci à toi quand même de passer, hein. Je te remercie, hein. Tu me permets de booster en fait la puissance, donc c'est cool. Si limite, c'est Ahumo, c'est la seule qui n'a pas besoin du boost de magie, quoi. Oh! Bah qu'est-ce que tu fous là, toi? Bon, bah il a pas servi à grand-chose, mais bon. Allez, c'est un petit boost qui est de. Ah, des points de vie encore aussi pour Journey. C'est cool. Ah, l'espace de chrono, le rift. Ok. Oula, il y a tout le monde. Bien sûr, sûrement que nous ferons. Il n'y a pas des notes sous lui. There is not a soul in Helheim not familiar with this game. Il n'y a pas de raison qu'Helheim ne soit pas familier avec ce jeu. Oula, c'est quoi? De quoi il parle là? J'ai pas suivi, mais. Ça aussi tu le dis. Voilà, très bien maintenant, est-ce que nous pouvons nous y rendre? Aimo et moi ferons une team, Vreg et Moro l'autre. Ok! Ouais, ça semble amusant. Vous aurez besoin d'un espace ouvert. Peut-être que Mog pourra vous aider à en trouver un. Sûrement. Allez. Fight away! Battez-vous ailleurs. Nous aurons droit d'utiliser trois mouvements dans ce match. Il n'y a pas de risque que ça tourne à nous. Merci pour tes entrains. Je comprends tes appréhensions. Il y a un thème species of warriors that delight is naming into people at high speed. Oula, il y a des choses. Il y a des mouvements spéciaux, d'accord, qui peut rendre les gens. Qui peut rentrer les gens dans une vitesse folle. Ouais, j'ai rien compris. You call that tame? Ouais, vous avez plutôt ça, je sais pas. Oula, alors. Well then, shoot! What? C'est comme ça que tu. C'est ainsi que tu dois vaincre la team opposée. Pour gagner, tu as besoin de force. Ah oui, the force hold stream. Ah oui, tu dois envoyer avec la force les trois movers dans l'autre équipe. De plus, quand tu finis par avoir les trois movers ensemble, tu peux les cumuler en quelque chose d'intéressant. Donc je dois juste essayer de les envoyer vers l'autre team, c'est ça? Yeah! Toute la... Ah, punaise! C'est quoi ça? Ouais, c'est une sorte de ballon prisonnier, mais impressionnant. Que penses-tu de ça? Zerkupo, ils arrêtent pas. Désolé, Moro. J'ai tout fait pour. Ok, laisse-moi faire un break.
Nous avons ce match dans la poche. Ah, je dois donner ça. Ah oui, ah oui, j'envoie ça avec mon cœur et avec tout mon cœur et toute mon âme. Désolé, Aimo, celui-ci est pour toi. Aimo! Move body. Bouge corps. Bouge corps, bouge! Wouah! Non, non, nous avons notre chance. Excellent travail, Aimo. Pouf. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh oh, nous avons perdu? C'était quoi ça? Pleu. Genre de la poussière ou un truc comme ça? Qu'est-ce que c'est ces trucs? Hihi! Quand tu as trois mouvements qui sont ensemble, ils vomissent. D'accord, ils crachent, pardon, ils crachent une pluie d'encre. Tout va bien, bien sûr. Sûr après, ah oui, je suis sûr qu'après une bonne douche, ça ira mieux. Je veux un match retour. Oh oh! Oh, je vois que vous êtes des, vous avez apprécié ce jeu. Pourquoi je suis devenu noir, moi aussi? Je n'ai pas joué. Mais le prochain match, j'y serai. Certainement, comme tu veux. D'accord. D'accord, en fait, c'est son, le jeu de, qui a chez elle, en fait. Qu'elle voulait faire découvrir à tout le monde. Ok. Ok, d'accord. Je viens de comprendre le truc. Ok, bon. J'avais rien compris au départ, maintenant c'est bon, c'est clair. D'avoir fui la fin, j'ai compris le début en fait. Ok, bon. Donc, bah, c'est là-dessus que se termine cet épisode, après ce petit jeu fort sympathique. Hein, bon, techniquement, dans la réalité, on aurait du mal à faire un jeu similaire, à faire ce jeu-là, mais... Peut-être que dans quelques dizaines, centaines d'années, peut-être que ça existera, on ne sait pas. Hein. Mais ça a l'air bien rigolo, quoi. C'est une bonne prisonnier, mais sans faire de prisonnier finalement. Donc ouais, c'est rigolo. Moi je ouais, pourquoi pas. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous dis à bientôt tout le monde et portez-vous bien.